descente du directeur de l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSTAD, et le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, ce jeudi 16 mai pour un objectif précis. Constater l'évolution de la cartographie censitaire, une étape cruciale dans le 5e recensement général de la population et de l'habitation RGPH5 dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément dans l'arrondissement de Weto. Accompagné par Angelo Arancino, maire de la commune, les trois acteurs clés du RGPH5 ont visité plusieurs ménages et observé attentivement le travail des agents recenseurs. Une avancée des opérations appréciées par le premier citoyen de la commune. Nous avons constaté sur le terrain que les instructions qui ont été données à nos élus locaux, notamment les chefs quartiers, les chefs villages et la population, sont en train d'être exécutées normalement. Le constat est qu'il y a une forte implication des élus locaux à la base et également de la population qui a compris et qui s'y prête à l'exercice. Nous avons été également témoins de comment cela se passe. Parce que devant nous, les agents envoyés sur le terrain ont interrogé la population et ont fait leur travail tout comme si nous n'étions pas là. Mais tout s'est très bien passé. Ça a été pour nous une grande satisfaction. Le représentant de l'UNFPA, partenaire technique et financier du RGPH5, suivi du directeur général de l'INSTAD, fier également de l'évolution de l'opération à Weto, invite toute la population du dit arrondissement à contribuer au recensement afin qu'une bonne cartographie ressorte de cette phase opérationnelle. Plus la population et tous les acteurs accompagnent ce processus, plus la qualité de la photographie de la population du pays sera la meilleure. Chacune d'entre nous, généralement, cherche une photo de très bonne qualité. Et le recensement, c'est cela. Si nous donnons les informations, avec l'appui technique des partenaires comme UNFPA et les autres partenaires, je pense que le Bénin aura une très bonne cartographie, une très bonne photographie de la population avec les caractéristiques nécessaires pour la planification et le suivi du développement. Après tout, nous voulons tous atteindre le développement durable pour chacun et chacune. Je voudrais dire au passage que cette cartographie qu'on est en train de faire, c'est une cartographie qui sera exemple pour les pays africains. Parce que c'est une cartographie qui est entièrement numérique, entièrement numérisée. Et tout ce que nous allons finir de faire sur cette cartographie doit être récupéré par toutes les structures du gouvernement qui interviennent sur ce qui concerne la cartographie dans notre pays. Et ce travail, je voudrais dire que nous ne le faisons pas tout seuls. Nous sommes associés de l'IGN, nous sommes associés de l'ANDF, donc toutes ces structures qui interviennent en matière de cartographie dans notre pays sont derrière nous, nous accompagnent pour que nous puissions réussir. Parce que cette base de données que nous allons communiquer à la fin de ce travail sera une base de données vraiment clean et qui pourra être utilisée pour tout ce qui aura comme opération ici pendant encore 10 ans. Après cette étape, s'en suivra la phase du dénombrement proprement dit afin que chaque zone habitée dans la localité soit couverte par l'opération.